plateau spécial sur la récente modification de la loi électorale par le Parlement de la transition. Le texte a fait l'objet d'âpres discussions. Il consacre l'ensemble des prérogatives de l'organisation des élections au ministre de l'Intérieur sur 98 députés. 85 ont voté pour, 13 ont voté contre. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial. Alors, Monsieur Geoffroy Foumboula, on le sait, cette mesure est une recommandation du dialogue national inclusif. Mais vous, vous avez voté contre ce texte. Quels sont les points qui vous gênent là? D'accord. Avant que de revenir sur les points, permettez-moi de faire œuvre pédagogique afin de rappeler le processus même d'adoption du texte. Parce qu'on a souvent le sentiment que c'est le Parlement en amont seul qui décide, mais il y a une procédure. Tout texte, c'est un projet que nous avons reçu, ce n'est pas une proposition. Donc, ce n'est pas la volonté du Parlement, c'est l'expression de la volonté de l'exécutif. Ce projet de texte porté par le ministre de l'Intérieur et ses techniciens a commencé à être validé en conseil interministériel, qui est présidé par le Premier ministre et ses ministres. Deuxième étape, le texte a été soumis en conseil des ministres. Donc, c'est le gouvernement, le Premier ministre et ses ministres qui partent soumettre ça à l'appréciation du président, qui valide selon les arguments et les motivations fournies par le ministre porteur et le chef du gouvernement. Ce n'est qu'après l'adoption, effectivement, au Conseil des ministres, que ce texte nous revient. Il nous revient pour examen, pour que nous, dans le cadre de notre travail législatif, on puisse soit le rejeter, l'enrichir ou l'amender. Voilà. Donc nous, quand on a reçu ce texte, effectivement, du ministre de l'Intérieur, moi, j'ai milité, je continue de militer contre, en espérant qu'à l'avenir, on pourra le modifier, simplement parce que ramener les prérogatives de l'élection, de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur de façon exclusive, à mon sens, ne répond pas aux principes en matière de bonne organisation des élections. Quand je dis principe, je n'invente rien. Le Gabon est signataire de plusieurs conventions internationales en matière d'organisation des élections et tout ce qui va avec. D'autre part, ces conventions ont été signées aussi par d'autres pays africains. On a les 16 pays de la SADC. Aucun de 16 pays de la SADC ne fait organiser son élection par son ministre de l'Intérieur. Monsieur Foumboula, j'ai envie de dire qu'effectivement, le Gabon est signataire d'un certain nombre de traités internationaux, mais depuis le 30 août, le Gabon est, conduit donc une transition qui acte donc un état exceptionnel. Et vous avez bien fait donc de rappeler le processus de vote de la loi qui est parti donc de ce conseil interministériel passé par le conseil des ministres, qui est donc une proposition de l'exécutif. Mais peut-être que vous avez omis de rappeler que c'est une recommandation du dialogue national inclusif. Donc, je me tourne vers vous, M. Barry Ndimal. Quelles étaient les motivations des participants, finalement, au dialogue national inclusif pour faire cette proposition? Vous avez reçu le ministre de l'Intérieur. J'imagine qu'il a présenté les motifs. D'accord. Pour ma part, le dialogue s'est déroulé et le dialogue a fait la recommandation de restituer l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Pour ma part, ça ne me gêne pas, comme on aurait pu donner et mettre une commission indépendante pour gérer les élections. Parce que l'on le veuille ou non, les élections, ce sont les hommes qui l'organisent. Et c'est l'homme qui doit être au cœur de l'élection, de l'organisation des élections. Donc, il faut que nous, Gabonais, en tant que citoyens, nous puissions faire preuve d'impartialité et de neutralité. Quelle que soit l'institution que l'on va mettre en place, Commission nationale électorale, Sénat, ministère de l'Intérieur, ce sont les hommes. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance à nos citoyens pour dire qu'il y a eu un 30 août, il y a une nouvelle citoyenneté qui est en train de se dégager et une nouvelle façon de faire. J'espère que les pratiques que l'on a dénoncées hier ne vont plus se reproduire. Donc, je fais confiance au ministère de l'Intérieur qui a toujours été là dans le processus électoral pour organiser les élections. Maintenant, s'il y a des couacs ou il y a des ajustements à faire, on le verra pendant le référendum ou après et on va pouvoir rectifier. Maintenant, ouais. Simplement, je voudrais dire ceci. Il n'y a pas de solution, de recette miracle en ce qui concerne les élections. Vous pouvez par exemple prendre,
on est dans la CEMAC. Les élections sont organisées au Cameroun par ELECAM, qui est une institution. Au Congo-Brazzaville, par la CENI. Mais malgré que ces élections sont organisées par des institutions ou des organismes dits autonomes, il y a toujours des contestations et l'alternance n'arrive pas. Donc ce n'est pas... D'ailleurs, jusqu'au Gabon, on a pu compter la CNE, la Sénat, le CGE, et il y a souvent eu des élections contestées. Mais M. Barry Ndimal, vous le savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Le ministère de l'Intérieur, vous lui faites confiance, oui, on l'entend, mais quels sont les éléments qui ont été mis en place pour garantir la transparence dans le vote? Mais la transparence, ce qu'il faut simplement dire, c'est que la transparence a toujours été garantie parce que le vote, il est secret, comme d'habitude. Le dépouillement se fait de façon publique. Chaque candidat va avoir son procès-verbal. Donc, à partir de ce moment-là, les choses se font de façon transparente, puisque le représentant du candidat part avec son procès-verbal qui témoigne du résultat qu'il y a eu dans le bureau de vote. Et ainsi de suite, on fait la compilation et puis on a les vrais résultats. C'est tout. Monsieur Geoffroy Foumoula, alors vous entendez bien, donc, on parle donc de ce procès-verbal qui va être remis aux représentants des candidats. Je crois qu'il n'y a plus de représentants des partis politiques. Les représentants des candidats sont donc reconnus au sein des commissions électorales. Vous continuez donc effectivement de contester ce texte, mais où voyez-vous finalement des éléments qui vous laisseraient suspicieux? D'accord, en fait, on ne conteste pas le texte. Ce qui peut s'apparenter à une contestation n'est que la volonté de pouvoir l'enrichir, l'améliorer, afin que le texte tende vers les standards internationaux que j'ai cités tout à l'heure. Il faut rappeler, comme on le dit, on se repose beaucoup sur les recommandations du dialogue. Ces recommandations n'ont pas un caractère souverain. Ces recommandations ont été émises pour être par la suite appréciées avant que d'être exécutées. C'est pour comprendre. Parce que ce qui est souvent dit, c'est oui, c'est une recommandation du dialogue. Mais le dialogue en a émis plus de 1000 recommandations. Mais ces 1000 recommandations doivent être analysées, examinées. Les recommandations du dialogue sont quand même l'émanation de la volonté des citoyens. Oui, ce que je suis en train de dire. Dans ce cas de figure, si on va sur ce postulat, admettons donc que toutes ces recommandations sont dorénavant exécutoires. Ce que je suis en train de dire, moi, ce qui fausse à mon niveau, c'est l'approche. On ne peut pas, aussitôt le dialogue terminé, prendre une recommandation et puis arguer le fait que c'est une recommandation, on l'exécute. Pourquoi ne pas en faire autant pour les autres? Ces recommandations sont bien et bien discutées à l'Assemblée nationale. Justement, j'arrive. C'est pour ça que je dis en fait qu'on ne conteste pas le texte, on veut simplement l'améliorer. Moi, je suis député. Mon travail, c'est d'examiner. La matière sur laquelle je me prononce est une matière qui est d'ordre scientifique. Je ne suis pas là pour prendre pour acquis les propos d'un ministre. Le ministre porte son projet. Il le motive, il le défend. C'est son droit. Il appartient au pouvoir exécutif. Moi, je l'écoute. Sur la base de ce qu'il dit, je mène moi mes investigations pour pouvoir me prononcer de façon objective. C'est sur cette base que je, en tant que député, par exemple, comme nous tous, nous bénéficions de l'immunité afin d'être protégés dans le cadre de la prise de nos décisions. Exactement. Je le dis encore sur le texte. Concrètement, je le dis. Concrètement. C'est une matière qui est scientifique. Quand je mène mes investigations, avant de me prononcer, je mène mes investigations. Je regarde comment est-ce que les élections sont organisées ailleurs. D'accord. Comment est-ce que les pays réputés comme étant les plus démocratiques organisent leurs élections? Dans ce sens, j'ai consulté le fichier des 50 pays les plus démocratiques en Afrique. Partant de l'île Maurice au Sénégal qui est 10e. Aucun de ces pays ne fait organiser ses élections par le ministère de l'Intérieur. J'ai consulté les 16 pays de la SADC qui sont réputés être les pays les plus démocratiques. Aucun ne fait organiser ses élections par le ministère de l'Intérieur. D'accord. Pareil pour ceux de la CEDEAO. En dehors du Sénégal, il y a une co-gestion. Le ministère s'occupe du fichier électoral. La CENA, qui est la Commission électorale nationale autonome, administre et organise l'élection. Partant de là, permettez-moi, en tant que Gabonais souhaitant que son pays et le processus électoral soient aux standards internationaux,
de prendre la posture selon laquelle il faut que mon code électoral soit meilleur que ceux des pays réputés étant les plus démocratiques. Et c'est en ce sens que j'estime que comme ces pays, il n'y a aucun de ces pays parmi les meilleurs qui font organiser ces élections par son ministre de l'Intérieur, je pense qu'il est mieux également pour mon pays et à moi de laisser une commission électorale organiser l'élection. Nous le comprenons, en fait, vous procédez effectivement, vous l'avez dit, la matière que vous examinez, elle est scientifique, mais vous adoptez une approche comparative. Justement. Est-ce que vous prenez aussi suffisamment en compte la donnée locale? Mais non, on a traversé trois institutions, la CNE, la CNAP et le CGE. Est-ce qu'ils ont produit les effets escomptés? Aujourd'hui, que la population s'exprime en disant que ça ne sert pas à grand-chose de revenir sur ces institutions budgétivores et qu'il serait mieux de laisser donc la gestion ou l'organisation des élections à l'administration pour faire à la fois des économies pour le pays, mais également pour mettre les gens finalement face à leurs responsabilités, est-ce qu'il ne serait pas aussi judicieux finalement d'essayer avec ces acteurs qui sont clairement identifiés? Mais justement, c'est pourquoi je dis la matière sur laquelle je me prononce, c'est les scientifiques. Monsieur Abourneur, il n'y a aucune commission électorale au Gabon qui organisait l'élection. Aucune. Il y a toujours une co-organisation des élections. D'accord. Le ministère de l'Intérieur de 90 aujourd'hui a toujours maintenu le contrôle du fichier électoral. Ok. Ça n'a jamais été, comme dans certains pays, sous le contrôle d'une commission électorale indépendante, comme au Kenya. Donc, il n'y a jamais eu d'organisation exclusive de les élections par une commission électorale. Il y a eu deux aspects. Oui. Il y a eu une organisation exclusive par le ministère de l'Intérieur en 93, sous Mbumbu Miyako, on connaît ce que ça a produit. Par la suite, il y a eu des co-organisations. Entre l'administration et les commissions indépendantes qui étaient mises en place. À un moment donné, au niveau de la co-organisation, on a eu des fois la commission qui a eu un rôle prépondérant pour annoncer les résultats ou le ministère qui a eu un rôle prépondérant pour annoncer les résultats. C'est ce qui s'est produit en 1993. C'est ce qui s'est produit en 2009 lorsque le ministre de l'Intérieur a annoncé les résultats. C'est ce qui s'est produit en 2016. Mais la commission nationale électorale au Gabon, il n'y a aucune commission au Gabon qui a organisé de façon exclusive les élections. C'est pour ça que je disais, et c'est ça ma position, il est question de faire en sorte qu'on expérimente l'organisation des élections par une commission exclusive. Comme on a déjà expérimenté l'organisation par le ministère de façon exclusive avec les résultats que l'on connaît, on a expérimenté la co-organisation ministère-commission avec les résultats désastreux que l'on connaît, mais on n'a jamais expérimenté l'organisation exclusive par une commission. C'est ça la position qui est la mienne. Monsieur Barry Ndimal, vous qui avez voté pour Monsieur Geoffroy Foumboula estime que aucun organe, aucune commission électorale n'a jamais organisé l'élection de façon exclusive. Il y a toujours eu une co-organisation. Mais est-ce qu'il ne se pose pas là des problèmes techniques? Parce qu'on le sait, c'est quand même le ministère de l'Intérieur qui est en charge un certain nombre donc, de documents d'état civil. C'est le ministère qui a en charge donc, le fichier et le fichier électoral pour avoir les données des citoyens. Est-ce que finalement, s'il était question d'organiser l'élection uniquement avec un organe indépendant, cela n'aurait pas posé un problème technique. Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas finalement un problème d'homme? Est-ce que ce n'est pas la connivence entre ces hommes-là qui a été le résultat de ce qu'on a longtemps connu? Bon, moi je reviens, tout est un problème d'homme. Moi je voudrais bien que M. Foumboula dise qu'au Kenya, ça se gère de façon exclusive. En France, on vient d'avoir des élections là. Qui l'a organisé, c'est le ministère de l'Intérieur. On n'a pas connu, ça ne fait pas l'objet de débats, les résultats de contestation, comme dans notre pays, c'est souvent le cas. Donc, le modèle gabonais, est-ce que ça veut dire que les pays de la SADC qui ont des commissions indépendantes pour organiser les élections sont plus démocratiques que la France? Non. C'est simplement pour faire comprendre qu'il n'y a pas une formule magique pour organiser les élections. Les élections, c'est d'abord et avant tout une affaire d'hommes et de citoyens. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise désormais les élections dans notre pays. Vous avez demandé pourquoi cette recommandation du dialogue a été adoptée, parce que nous avons un calendrier, nous devons organiser le référendum dans les prochains mois pour adopter la nouvelle constitution. À partir de là, vous voyez bien l'urgence et l'importance de ce texte-là. Ce qu'il faut dire
à mon collègue et grand frère, M. Fumbula Makosso. Moi, je comprends ce qu'il dit, parce que généralement, en Afrique, les élections sont souvent mal organisées. Il faut le dire, que ce soit par le ministère de l'Intérieur, que ce soit par les organismes, parce qu'on se connaît. Moi, je regarde un peu, par exemple, en RDC, il y a une commission indépendante, même pour désigner, ça cause des problèmes, il y a la corruption, il y a ceci, cela. Donc, je pense que ce sont les citoyens. Il y a une nouvelle, il y a eu un 30 août dans ce pays. Donc moi, je vais du fait qu'on prend les habitudes d'hier et les méthodes d'hier. Pour moi, elles sont dépassées, elles sont éculées, je l'espère. Et on va vers le nouveau Gabon. Et il ne faudrait pas que l'on ne va jamais aller appeler des Sénégalais, des Kenyans, ou ne sais qui, pour organiser les élections. Ce sont les Gabonais qui vont organiser les élections. Et c'est là où nous devons faire preuve de pédagogie. Parce que qui organise les élections? Mais ce sont les citoyens, parce que ce sont les citoyens gabonais qui seront présidents de commission, ce sont les citoyens gabonais qui seront vice-présidents de commission, ce sont les citoyens gabonais qui seront représentants des candidats, accesseurs, présidents de bureaux de vote, et j'en passe. Il faudrait que quand on te désigne pour être scrutateur au moment du scrutin, tu dois jouer ton rôle de façon patriotique. Tu ne triches pas, tu ne te laisses pas corrompre. Et voilà, et le tour est joué. Alors, M. Geoffroy Fumbula, je me tourne vers vous. Il y a eu de fausses informations qui ont circulé selon lesquelles les urnes devraient être convoyées au niveau des commissions provinciales. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez pris le temps, toujours dans votre logique pédagogique, de rappeler qu'il n'en est rien. Aujourd'hui, les représentants des candidats font partie des bureaux de vote. Ces représentants de candidats vont donc suivre tout le déroulement du vote. Le dépouillement se fera dans le bureau de vote. Ensuite, les procès-verbaux seront donc signés par les présidents de commission, distribués aux représentants de candidats, qui auront chacun son procès-verbal. Et ensuite, les résultats seront donc acheminés vers la commission provinciale. Mais j'ai envie de dire, M. Geoffroy Fumbula, est-ce seulement les éléments que vous observez à l'extérieur qui vous permettent de douter de ce nouveau processus, ou bien c'est aussi des éléments comme peut-être nos mauvaises habitudes ou bien notre mentalité qui vous permet qui vous a amené à voter contre le texte? Parce que finalement, moi, je cherche un tout petit peu où est-ce que on pourrait dire que le bât blesse, mais pour l'instant, je n'en vois rien. Et je vous entends, les arguments que vous nous présentez aujourd'hui, ce ne sont que des arguments, finalement, qui tiennent compte de ce que font les autres. Il y a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'on dit qu'au Gabon, on a toujours eu de bonnes lois, même des très bonnes lois, et que c'est souvent leur application qui a posé problème. Est-ce que nous ne sommes pas là face à cette situation? Non, je ne pense pas. Et puis, il y a un argument qui ressort régulièrement, le cas de la France. Moi, ce qui me surprend avec ceux qui défendent effectivement le texte, c'est de quitter tous les pays africains pour aller au niveau de la France. Et même parlant de la France. Mais vous parlez des meilleurs, M. Fumbula. Non, mais je parle de... Sauf à croire que la France aussi ne fait pas partie, n'applique pas les standards internationaux. C'est de l'Afrique, M. Gourneur. Nous avons nos réalités en Afrique. Justement, nous inspirons des modèles. Justement, moi, je m'exprime en fonction de nos réalités. Comment est-ce que les autres, en fonction des mêmes réalités, ont pu mettre en place un système démocratique? Je m'appuie de ces pays africains parce qu'on partage les mêmes réalités. Je ne vais pas d'abord aller chercher les États-Unis, l'Asie, l'Europe, alors qu'on n'a pas encore élevé le challenge de l'Afrique. Justement, j'arrive. Est-ce que la probité, les éléments comme la probité, la conscience, le respect, l'éthique, il n'y a aucun indicateur, aucune notion pour pouvoir évaluer la probité de X ou bien de Y. Mais donc ça veut dire que même, c'est ce qui explique que même avec des commissions indépendantes, on soit toujours arrivé à des résultats qui faisaient en sorte qu'on conteste les résultats des élections. J'arrive, par exemple, pour la France, parce qu'on prétexte souvent la France. La France, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est le ministère. Ce sont deux personnes différentes. D'accord. Le ministre est la personne morale. Le ministère, le ministre est la personne physique, le ministère est la personne morale. Si on m'aurait dit exclusivement le ministère, je pense que lors d'un ancien débat, j'avais dit si c'est encore le ministère, j'aurais compris. Parce que le ministère a des directions, direction des élections, ainsi de suite. Mais là, on parle du ministre qui est en charge des élections. On ne parle pas du ministère. En France, c'est le ministère. Le ministère a une direction des élections. Il y a des instruments techniques.
qui ne dépendent pas du ministre. C'est une direction des élections. C'est un peu le cas aussi au Sénégal, où ce n'est pas le ministre. C'est le ministère, à travers sa direction des élections, qui gère le fichier électoral. Maintenant, là, je peux saluer effectivement le travail de mes collègues qui ont eu à amender le texte, c'est qu'ils ont ramené un article important qui avait disparu, qui avait été ôté au niveau du projet. C'est l'article 76 qu'ils ont réécrit. Permettez-moi en quelques secondes de vous lire l'article. Il s'agit de l'organisation des élections dans le bureau de vote. Et là, je salue l'effort qui a été fait. Le président du bureau de vote est choisi par la commission locale compétente, sur proposition de son président, parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale. La commission électorale locale statue sur la représentation des candidats ou des listes de candidats. Ils donnent donc l'ouverture dorénavant, ce qui avait été supprimé, que, à travers leur amendement, je les en félicite, dorénavant, il y aura des représentants, des candidats, et c'est la commission locale qui va statuer. Ils ont rajouté que le bureau délibère à égalité de voix, chose qui avait été retirée dans le projet. Le bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative. Les candidats ou listes des candidats sont représentés par un électeur désigné par eux. J'en félicite. C'est un amendement du Parlement. Et je finis. Ces représentants dont les identités sont relevées avant l'ouverture du scrutin doivent être munis d'un mandat écrit et ne sont pas membres du bureau de vote. Ils ont le statut d'observateur. Leurs observations sont consignées dans le procès verbal. Je souligne ça, c'est pour simplement faire comprendre aussi à l'opinion que, contrairement à ce qui se dit, même si on a des désaccords, il y a un travail qui a été fait par les collègues parlementaires visant justement à corriger certains manquements observés dans le projet envoyé par le ministre. Donc vous comprenez aisément que le projet qui a été adopté n'a pas été adopté en l'état tel qu'il a été envoyé. Le Parlement a fait son travail. Le Sénat a enrichi ce travail en mettant une disposition transitoire en disant que certaines dispositions de cette loi qui a été modifiée ne sont applicables que pour le référendum. Donc là, c'est déjà une parade pour forcer l'exécutif à réviser le texte. Mais tout compte fait, ce sont des améliorations qui ont été apportées, mais qui ne changent pas la position qui est la mienne de dire qu'il nous faut avoir une commission autonome pour organiser. Donc si on retient aujourd'hui votre position, c'est une position de principe. De principe, voilà, on va se battre pour améliorer. On continue, on n'est pas en opposition, comme on le dit. Nous, notre vœu, c'est que notre texte tende vers ce que nous estimons comme étant les meilleurs standards. Alors, M. Barry Ndimal, j'ai une dernière question avant de boucler. Aujourd'hui, il y a le ministre donc, de l'Intérieur qui est au centre de l'organisation de toutes les élections. En cas d'élection et de candidat issu donc, du pouvoir, du régime, du nouveau régime en place, qu'est-ce qui peut garantir justement son indépendance vis-à-vis de ce candidat? Sylvain aussi peut être candidat. Bon, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il y avait une recommandation qui avait été faite pour demander à ce que le ministre de l'Intérieur ne soit pas lui-même candidat, puisqu'il ne peut pas être juge et parti. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand on est ministre de l'Intérieur, ben, on sert la République, on ne sert pas un homme, on ne sert pas un parti, on ne sert pas un régime. On se met à la disposition de son État. Et je voudrais croire en la bonne foi et à l'esprit républicain du ministre de l'Intérieur qui sera au moment venu jouer son rôle. Si le candidat du parti au pouvoir ou du régime au pouvoir est perdant, mais qu'on le déclare perdant, et si le candidat de l'opposition gagne, ainsi de suite, c'est ce qui va faire avancer le pays. En espérant justement avoir des élections de moins en moins contestées ou du moins des élections apaisées. C'est déjà la fin de ce plateau spécial. Messieurs, merci d'avoir accepté de venir donc présenter les positions des uns et des autres. On l'a bien compris, toute œuvre humaine est toujours à parfaire. C'est un texte qui est déjà là et certainement il a été mis en place pour le référendum et il va être amélioré après le référendum en vue donc des prochaines élections qui vont être organisées dans le pays à l'issue donc de la transition. C'est la fin de ce plateau spécial. Merci beaucoup de l'avoir regardé et n'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.